Ça fait 53 jours que nous sommes confinés, donc c'est le vlog 53. Le vlog que vous regardez aujourd'hui, il est beaucoup plus long que les autres, parce que je vous ai mis une petite surprise en fin de vlog. Donc vous spoilez pas maintenant, n'allez pas voir, attendez la suite. Il y a un petit cadeau pour vous à la fin de ce vlog. Salut les amis, après le jardinage, le survivalisme, la permaculture, la cuisine, aujourd'hui on va se lancer dans la mécanique automobile. Alors, on va commencer par ouvrir le capot de ma Renault Clio 2, la véritable bagnole du survivaliste. N'empêche, je dis ça à moitié pour rire, mais c'est vrai. Une bagnole comme ça, discrète, est très utile dans le monde du survivalisme, dans ce qu'on appelle les low profile, profil bas. Ton but, c'est d'essayer d'être discret. Et ça, elle paye pas de mine cette voiture, c'est une des plus vendues en France, c'est une des plus réputées. Bon déjà, elle est performante, résistance. Moi, c'est un modèle qui date de 2002. Donc, c'était pas encore l'époque où il y avait tout numérique, où à la moindre coup, t'avais un voyant qui s'allumait et que t'étais bloqué, tu pouvais plus rien faire. Non, non, là, en fait, même quand t'as un voyant, tu peux continuer de rouler 3000 bornes, il se passera rien, quoi. T'as juste à éteindre le contact et rallumer, le voyant n'est plus là. C'est ce qu'on appelle de la véritable mécanique. Il n'y a pas encore d'obsolescence programmée. Vous savez, ces petits bugs exprès qui font en sorte que t'es obligé de te racheter une bagnole tous les 5 ans. Bref, je rigole à moitié, rassurez-vous. Aujourd'hui, on va pas se lancer dans la mécanique automobile. Non, faut pas non plus que cette chaîne devienne tout et n'importe quoi. Mais c'est toujours utile de savoir un peu foutre la main dans le cambouis. Oui, réparer, savoir un peu repérer les éléments, où est le moteur, où est le carburateur, où sont les pistons hydrauliques. Bref, c'est toujours utile d'avoir quelques notions, comme par exemple comment changer une tête de Delco, comment changer les bougies, comment utiliser un vieil élastique de slip ou un collant pour réparer la courroie. Enfin bref, il y a plein de techniques de survivaliste qu'on pourra avoir pour s'en sortir avec son véhicule. On pourra faire même un tuto spécial femme, comment changer une roue. J'adore l'humour. Mais là, je voulais juste simplement vérifier le niveau de l'huile, absolument rien de survivaliste, juste l'huile. Yo les pangolins. Du coup aujourd'hui je me suis déconfiné parce que suite au vlog où j'ai récupéré la ruche et un essaim d'abeilles sauvages, j'ai eu beaucoup de gens passionnés d'apiculture, de miel et des abeilles qui sont venus me donner des conseils et d'ailleurs je vous en remercie. Bref, vous m'avez écrit, vous m'avez donné plein d'informations, donc j'ai pu un peu prendre différents avis, aussi bien de gens qui se lancent depuis pas longtemps dans l'apiculture que des gens que ça fait 30 ans qui en font. Bref, j'ai eu plein de retours, donc j'ai pu un peu voir où je me situe par rapport à ça, ce que j'ai envie de faire, pas envie de faire. Avoir un essaim d'abeilles, c'est pas juste pour récolter du miel, il y a plein d'autres trucs derrière. D'ailleurs, je tiens à remercier une personne qui a posté en commentaire YouTube un lien d'un film. Le film s'appelle Des abeilles et des hommes, mais c'est vraiment un film magnifique où on suit 4 ou 5 apiculteurs qui ont une vision totalement différente de l'apiculture. Ce film est excellent, donc je vous conseille d'aller dans les commentaires du vlog 49, celui où je récupère l'essaim d'abeilles, pour aller retrouver justement le lien de ce film et aller le voir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me déconfiner parce que suite à tous ces conseils qu'on m'a donné, j'ai compris ce qu'il me fallait. Donc là, je monte à la ville, en tout cas la ville la plus proche de chez moi, pour déjà m'acheter un filet de protection, vous savez, les genres de chapeaux qu'on met dessus le visage, parce que pour l'instant mes abeilles sont pas virulentes, elles sont plutôt même très tranquilles, très posées, mais c'est histoire que voilà, je prenne pas de risque, parce qu'il suffit d'une piqûre pour que toutes les abeilles viennent ensuite se jeter sur nous. Donc voilà, une petite protection pour se la jouer sécure. Ensuite, je vais investir dans une hausse. Donc la hausse, c'est quelque chose qu'on rajoute dessus la ruche. D'ailleurs, ce que j'ai pour l'instant, ça s'appelle le corps. Ça, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris grâce à vous. C'est-à-dire que moi, j'ai une ruche, mais la ruche est composée de plusieurs éléments. Pour le moment, je suis simplement en possession du corps de la ruche. Donc là, je vais rajouter une hausse qu'on met dessus le corps. C'est une sorte de cave, une réserve, un grenier, où elles vont mettre leur surplus de miel. Moi, c'est là-dedans que je vais récolter mon miel. Je ne touche pas au corps parce que le miel qu'il y a dans le corps, c'est pour elles, c'est pour qu'elles se nourrissent et c'est pour leurs petits. Apparemment, une abeille, ça vit 30 jours, je l'ai appris récemment. Donc, toutes les 30 jours, en fait, la reine a pond toute la journée pour que la colonie soit tout le temps renouvelée. Et quand il y a du surplus de pollen et de miel, elles mettent tout ça dans la hausse, dans le grenier. Certains apiculteurs prennent tout le miel, qu'il soit dans la hausse ou dans le corps. D'autres, un peu plus éthiques, un peu plus conscients de l'environnement, vont simplement prélever ceux de la hausse. Bref, il y a différentes cultures, différentes visions. Chacun a son point de vue, chacun a son opinion. Il y en a qui traitent au bio, il y en a qui traitent pas du tout au bio. Bref, voyez le délire. Il faut aussi que j'investisse dans une grille à rennes, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est une grille qu'on met entre le corps et la hausse pour empêcher la reine de monter dans le grenier, aller pondre justement là où je vais récupérer du miel. Sinon, ça sera du miel avec un léger goût de protéines, hashtag larve d'abeille. Mais c'est une grille qui est suffisamment grande pour laisser passer les abeilles, mais pas la reine qui elle est plus grosse en termes de volume. Donc voilà, ça fait déjà 3 éléments. Je vous ai dit la hausse, la grille et la protection.
dans la hausse, il va falloir que je prenne des cadres déjà cirés, alvéolés, gaufrés, pour qu'elles n'aient plus qu'à venir y stocker du miel. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et après, il faut que je trouve un petit produit qui permet de lutter contre les parasites, qui est apparemment le pire ennemi des abeilles. La Vaora, je sais plus comment on dit. Bref, c'est une sorte de petite puce, un pou, une larve, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui fait chier le monde. Apparemment, c'est un parasite qui a été amené par l'homme. Maintenant, toutes les ruches chopent cette maladie. Donc voilà, je dois traiter ma ruche avec ça. À savoir que là, moi, avant d'être en train de filmer avec mon portable, là, je viens déjà de faire 2 vétérinaires et 2 pharmacies pour essayer de trouver ce produit-là, version bio et naturelle, et ils ont pas. Ici, là, dans les campagnes, ils proposent que des trucs, tu sais, en mode toxique, chimique. Donc, je l'ai pas acheté pour l'instant. Donc là, je m'aventure encore un peu plus loin. Je vais voir dans 2 ou 3 autres bâtiments s'ils ont ce truc pour lutter contre ces parasites en mode bioéthique, respect de l'abeille. On va voir tout ça. Donc pour l'instant, c'est le truc que j'ai le plus de mal à je pense, trouver. Et après, un dernier élément qu'il me faut, c'est une petite porte d'entrée qu'on met devant la piste d'envol qui me permettra, si vous voulez, de limiter l'entrée et les sorties des abeilles afin qu'elles puissent rentrer et sortir quand elles en ont envie, mais que les frelons qui aiment bien venir faire chier les abeilles, eux ne puissent pas rentrer parce que le trou sera trop petit pour eux. Voilà, et en plus je sais que par chez moi il y a des frelons, donc j'ai plutôt intérêt à faire ça. Donc voilà pourquoi je me suis déconfiné. Yo les amis, je suis arrivé, je suis dans une zone industrielle. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas été dans ce genre d'ambiance. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je commence à avoir tout le matos qu'il faut. La protection, la grille à rennes, la hausse avec les cadres. Certains sont déjà cirés, d'autres non. Donc, j'ai pris également de la cire. Oh putain, ça sent super bon. Donc il va falloir que je cire moi-même les trucs, ça va être freestyle. J'ai pris un enfumoir, ça permet de calmer les abeilles quand elles sont un peu excitées. J'ai pris une spatule pour soulever les cadres, parce qu'une fois qu'ils sont collés avec le miel, c'est galère. C'est déjà pas mal, je sens que je vais banquer. Et donc là, la dame est partie me chercher, parce qu'en fait, oui, on est toujours en confinement. Donc en fait, je peux pas rentrer dans la boutique, je suis obligé d'attendre dehors, et c'est la dame qui fait des allers-retours pour m'amener ce que je veux. En fait, c'est le drive, mais version apiculture. Je savais même pas que ça existait, les amis, je découvre des trucs. Du coup, elle est partie me chercher des gants de protection. Et je crois que c'est tout, en fait. Après, j'ai du matos. Putain, mais c'est l'aventure. Mais c'est excitant, hein, putain. En plus, vu que je leur ai dit que je débutais, ils sont ultra gentils, ils me donnent trop de conseils et tout. Le monde de l'apiculture, c'est un monde à l'inverse du monde des survivalistes, où ça a l'air tous des blaireaux qui nous insultent dès l'instant qu'ils voient des nouveaux survivalistes débarquer. Ah, t'es pas assez survivaliste. Et ben le monde de l'apiculture, c'est à l'inverse un monde où tout le monde s'entraide et se donne de très bons conseils. Et alors, regardez ce qui est marrant, c'est qu'en plus, en ouvrant mon coffre, regardez ce que je viens de voir. J'ai un mini essaim ici. Coucou. Enfin, il est plus d'actualité, il est plus utilisé. Enfin, c'est pas un essaim, c'est des alvéoles, mais bon, en tout cas, voilà, ça, il y a une ambiance abeille dans ma vie en ce moment. En attendant que la dame revienne, on va tester la cibie. Ici Bunker Sauvage et 7EX, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Essai TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit ? I repeat, ici Bunker Sauvage pour QSO, Essai TX, 7351, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Ah, sur le canal 23, il y a quelqu'un. Essai TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Donc vu qu'aujourd'hui j'ai été à la grande ville faire mes achats pour l'apiculture, le matériel qui me manquait, j'en ai profité pour acheter une arbalète. Ça fait longtemps que j'en voulais une. Et là où je voulais vous remercier, c'est que je l'ai acheté grâce à vos dons sur Tipeee et grâce également aux personnes qui ont fait des dons pendant les lives
Donc voilà, je vous remercie toutes les personnes qui ont soutenu. Ça m'a permis d'investir dans une petite arbalète. Vous voyez, elle est pas énorme, mais c'est une petite arbalète qui est sympa. Là sur le chemin, je suis en train de rentrer chez moi, mais j'ai fait un arrêt ici chez Max pour lui montrer l'arbalète et pour tester un peu le bordel. Et puis aussi pour le remercier parce que c'est Max qui m'a donné le corps de ruche. Donc c'était pour lui montrer ce que j'avais investi en plus aujourd'hui. Je ferai une vidéo sur l'arbalète un peu plus détaillée. Là voilà, c'est pour la vous montrer vite fait. Là je l'essaye pour la première fois. Donc, on recule, on arme. Voilà. Là, il y a la sécurité, on peut pas tirer. J'arme. Là, c'est aligné. Là, je retire la sécurité. Je règle le viseur si c'est pas droit. Yes! Putain, c'est impressionnant. En plus, elle est précise. Ouais, elle est assez précise. Donc voilà. Là, c'est toi. Soit t'es là, soit t'es là. Et puis qu'à aller chercher les flèches dedans. Voilà, stabilise avec le point. Là, droit. Celui-là, bien verrouillé. T'arrêtes de respirer. Oh voilà, bien joué. Elle est partie où? Je l'ai pas vu non plus. Volé, mais bien joué. Bah, on ouvrira le carton. Oui, on ouvrira le carton. En tout cas, encore une fois, merci pour la ruche, hein, Max. Donc ça, c'est les traits. Allez, cassez-vous, là. Ou des carreaux. Wow, pas mal. Ça, c'est un orchidée. C'est une orchidée sauvage. Tu as remarqué comme elle essaie d'imiter justement le physique des abeilles pour attirer les insectes à elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, pose la poignée directement. Ça la crosse, c'est plus facile quand tu fais ça. Tu vas voir, vas-y, fais-le. Ça, t'as plus de force quand tu fais ça. Là, comme ça? Ouais, tu fais ça, et là, c'est tout. Et tu vas voir que c'est plus facile. Ah, ouais, là, elle est dans la paille. J'amène l'arc, mec. Oui. On a déjà au moins perdu 10 dans la paille. Bon, j'espère que ce vlog vous plaît jusqu'ici. Voilà, je vous ai un peu filmé la journée d'aujourd'hui. Mais là, on va rentrer dans tout autre chose. En effet, la suite du vlog, c'est un petit cadeau que je vous fais. Un petit bonus pour célébrer cette fin de confinement bientôt dans quelques jours. C'est un remerciement de m'avoir suivi pendant toute cette période du confinement. Tous les soirs, d'avoir été au rendez-vous à 20h. Ça a été une sacrée expérience. Ça fait 53 jours que nous sommes confinés. Et ce vlog est le numéro 53. Et en fait, je crois que depuis le jour 1 du confinement, j'avais eu cette idée de vlog lorsqu'on arriverait au jour 53. Et c'est aujourd'hui. Donc de quoi est-ce que je suis en train de parler et qu'est-ce que je vous ai prévu? Je vais vous passer un court-métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Jour 53. Ce court-métrage a plusieurs années, je l'ai fait en 2013 et il parle précisément de fin du monde. On parle de sujets post-apocalyptiques, de survie, de rôdeurs, de Dark Preppers. Et tout ça, c'était en 2013. Quand je dis que je l'ai réalisé, c'est un peu vrai et puis c'est un peu faux, je vous ai pas tout dit. En fait, chaque été, depuis plus de 10 ans, je suis intervenant vidéo dans des colonies de vacances. En gros, je suis embauché par des structures pour venir, pendant une semaine, apprendre aux gamins à faire un film de A à Z. On écrit le scénario, on fait les costumes, je leur apprends à manipuler la caméra, le micro, les lumières, après on fait du montage, et en gros, à la fin de la semaine, ils rentrent chez eux avec un court-métrage. Et ça, j'ai fait ça quasiment tous les étés depuis mes 18-19 ans. Donc j'ai l'habitude de faire des films avec des gamins. D'ailleurs, certains de ces gamins qui étaient tout petits lorsque je les ai eus la première fois avec moi en colo sont revenus chaque année jusqu'à leurs 17 ans, l'âge où ils peuvent plus après venir en colo, à 18 ans, et j'ai gardé très bon contact avec eux. Maintenant, il y en a plein qui sont dans des écoles de cinéma ou des facs. Ça me fait marrer parce que moi, quand je les ai vus, ils se chiaient dessus et ils avaient des poux. Et maintenant, certains d'entre eux, les plus jeunes que j'ai eu à l'époque, sont déjà grands et quand on s'appelle ou quand on s'écrit, c'est comme si je parlais à des potes. Bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, le film que je vais vous passer maintenant. Il s'appelle Jour 53. Il a été réalisé dans le cadre de cette colonie de vacances en 2013. Sauf que là, la particularité de ce film, en plus d'être d'actualité, c'est-à-dire il parle un peu de fin du monde et de survie, il a été réalisé uniquement avec 4 jeunes.
parce que généralement j'ai des groupes d'enfants qui sont assez nombreux. Mais là c'était une semaine où il y a eu pas beaucoup d'inscrits. Bon, je sais pas, il y avait eu des couilles d'inscription, je sais pas trop. Après moi je m'occupe pas de la logistique ou de la gestion. Mais en gros il y avait eu que 4 ados pour faire un film. Et plutôt que de faire des trucs très rigolos, très pouet-pouet, parce que les films de colo c'est souvent un peu ça, c'est soit des trucs sur le recyclage, soit sur le harcèlement, enfin bref, vous voyez le genre de conneries, mais hop, pas du tout. Moi je me suis dit, gars, on va faire un putain de film. Du coup j'ai réussi à motiver ces 4 jeunes, et en fait là où j'ai eu la chance, c'est que c'était 4 jeunes qui s'entendaient super bien entre eux. J'ai eu la chance de tomber sur 4 jeunes avec qui on a eu un gros délire, on s'est vraiment marré, et du coup quand je leur ai dit, est-ce que ça vous dit qu'on essaye de faire un truc de qualité, qu'on sort justement du schéma du film amateur fait avec des enfants, qu'on les appareils dentaires, est-ce que ça vous dit qu'on essaie de foutre la barre ultra haute? Et les gamins en fait étaient ultra motivés. Du coup, de tous les films que j'ai fait depuis que je fais ce boulot, et j'en ai fait beaucoup, parce que j'ai fait ça depuis 10 ans, chaque été, et chaque été c'est pas un film, hein. C'est un film par semaine. Donc tu décomposes juillet et août, ça te fait au moins 3 semaines en juillet, 3 semaines en août, ça fait au moins 6 films chaque été depuis 10 ans. Fais le calcul parce que j'ai la flemme là, cette heure-ci. Et parmi tous les films que j'ai fait, celui-ci est pour moi un de mes préférés. Les gosses étaient cool, il y a une bonne ambiance. Bon, par contre, j'ai utilisé des musiques qui sont absolument pas libres de droit, donc déjà, je sais d'avance que je vais me faire sucrer la monétisation sur ce vlog, donc essayez de contrebalancer avec des likes. Ce film, à l'époque, il était disponible sur mon ancienne chaîne YouTube avant de s'appeler Bunker Sauvage, mon ancienne chaîne qui s'appelait Super Infini, dans ma playlist film de colo, parce que je les mettais sur cette chaîne, et ce film faisait partie de ceux qui avaient précisément le plus de vues. Mais depuis que j'ai renommé la chaîne, je les ai rendus privés, donc plus personne n'a accès à ces films. Et exceptionnellement, là, je vous le remets à disposition dans ce vlog pour célébrer ce fameux jour 53. Donc le titre, rien d'exceptionnel, on s'est inspiré du film 28 jours plus tard, sauf que plutôt que d'appeler ça 53 jours plus tard, on avait simplement appelé ça jour 53. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas trop vous spoiler, je veux vous laisser dans l'ambiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, mettez-vous dans le noir, mettez le son à fond, vous allez voir un vrai court-métrage. Donc le film que vous allez voir a été réalisé en moins d'une semaine avec 4 enfants, dans une colonie vidéo où j'étais intervenant, animateur vidéo. On a écrit, tourné, monté en 3-4 jours à peine, parce qu'à côté de ça, les gosses ont d'autres activités, ils n'ont pas que l'activité cinéma, donc vraiment, il faut prendre en compte que c'est fait dans un temps extrêmement réduit. Et je remercie ces 4 ados qui ont dû grandir maintenant, ça fait longtemps. Eux, pour le coup, j'ai pas eu de nouvelles. Eux, ils ont dû grandir, putain, ouais. Et ce film avait d'ailleurs reçu plusieurs récompenses. Et également, pendant longtemps, c'était le film qui avait été mis en avant pour justement vendre des séjours cinéma aux autres enfants de la colo. C'est-à-dire que quand on voulait vanter les mérites de la colo, on mettait ce film en avant parce que ça montrait que voilà, on se sort les doigts du cul dans cette colonie, quoi. Donc je vous passe ce film, jour 53. J'arrête le vlog ici. Demain, le vlog qui sortira sera le dernier vlog de toute cette aventure confinement. Rassurez-vous, après je continue la chaîne Bunker Sauvage, continuerai des vlogs, mais simplement j'arrêterai d'en sortir un par jour. Ce sera un de temps en temps, un par semaine idéalement. Donc demain c'est le dernier vlog de cette aventure confinement qui sort, et spoil alert, c'est la fameuse FAQ où je réponds à vos questions. Donc ça ne sert plus à rien de poser vos questions sous cette vidéo. Il fallait le faire hier et avant-hier, je vous disais oui, posez vos questions, blabla. Donc seulement les questions qui ont été posées dans les derniers vlogs seront celles que je répondrai dans la FAQ de demain. Et après, on terminera avec le live dimanche. Commencera vers 21h. Voilà, les amis, je vous passe le film maintenant. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne soirée. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Jour 48. Voilà plusieurs semaines que je marche et je n'ai toujours pas trouvé de survivants. J'ai de plus en plus l'impression d'être seule dans ce monde ravagé. J'ai faim, je n'ai toujours rien à manger et mes réserves d'eau diminuent de jour en jour. Puis il y a la pollution qui gagne de plus en plus de terrain. Peut-être qu'il y aura des survivants au bout de cette voie ferrée, ainsi que des réserves de nourriture et d'eau potable. J'espère réussir à trouver un abri avant ce soir, car j'entends un orage gronder au loin. Je me dirige en plein dedans. Je pense que ce sera des pluies acides.
Jour 49. Je ne me souviens pas exactement comment tout ça a commencé. J'ai pris la décision qui me semblait la meilleure. M'éloigner. Le plus loin possible de la zone de l'impact. Mon frère me manque. Atrocement. Malheureusement, ma famille n'a pas survécu à ce désastre. Pour le moment, j'ai trouvé refuge sous un pont, sûrement utilisé autrefois. Mais maintenant, il est désertique. J'espère avoir plus de chance demain que je n'en ai eu jusqu'à présent. Qui êtes-vous ? Un survivant, comme toi. Je veille sur toi toute cette nuit, car on peut dire que l'endroit que tu as choisi n'est pas très en sécurité. Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai juste voulu te donner à boire, car j'ai vu que ta gourde était vide. Où vous l'avez trouvée ? Elle n'est pas contaminée ? Non, elle est bonne. Si tu viens avec moi, je pourrai te montrer un endroit où il y a à boire et à manger. Ma mère m'a toujours dit de ne pas suivre les inconnus qui me proposaient à manger. Ok, c'est toi qui vois. Je tiens juste à dire que dans cet endroit, il y a plein de rôdeurs. Et une jeune fille comme toi ne devrait pas rester tout seule. Attendez-moi! Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai trop la dalle. Au fait, moi c'est Claire. Moi c'est Néo. Enchantée. Alors comme ça, vous m'amenez dans un endroit où il y a de la bouffe? Ouais, de la bouffe, de l'eau. Il y a même des lits et des douches chaudes. Je vous cache pas que j'ai un peu du mal à vous croire. Pep, tu peux me tutoyer, tu sais. Allez, c'est bon, tu peux descendre, on est arrivé. Y avait pas d'autre moyen pour traverser ? Non, le seul pont que je connais pour venir ici a été détruit. C'est pour cette raison que cet îlot a été préservé. Préservé des pilleurs ? Ouais, c'est ça, des pilleurs, des bandits et de la pollution. Eh ben, il me tarde de voir ça. Alors, tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui, 2 secondes, je prends mon carnet. Jour 50. Aujourd'hui, j'ai rencontré Néo. Il m'a donné de l'eau. Cela faisait longtemps que je n'en avais pas bu une aussi pure. Cependant, je reste sur mes gardes. Il m'a proposé de le suivre, dans un endroit sûr et au chaud, avec de la nourriture et de l'eau. Il m'a même dit qu'il y avait des douches et des lits. J'espère juste pouvoir lui faire confiance. C'est ça votre abri ? Juste quelques morceaux de tissu ? Non, pas du tout. Ici, c'est simplement là où je travaille. Je suis en train de fabriquer une radio en ce moment, pour capter un signal d'éventuels survivants. Et voilà ! Nous sommes arrivés, tu vas enfin pouvoir te reposer. Wow, et c'était quoi ici avant ? Sûrement un village vacances ou un club med pour hippie. Allez, viens. Et sinon, il y a l'électricité ici ? L'électricité, l'eau chaude, le gaz, il y a tout pour vivre.
Il n'y a que vous? Vous êtes seul pour le moment? Oui, j'ai découvert ce lieu il n'y a pas longtemps. Avant de te proposer à manger, je vais te faire visiter ta chambre. En haut, il y a une télé qui marche pas. Et par ici, c'est les cuisines. Et au fond là-bas, c'est chez toi. Voici où on dort, dans ces chalets. Moi, je me suis installée dans le chalet au fond à gauche. Toi, t'as qu'à prendre celui d'à côté. À l'intérieur, tu trouveras des lits, des vêtements, des douches et des toilettes. Allez, je te laisse te changer. On se retrouve après pour manger. Ok, merci. À tout à l'heure. Enfin prendre une douche. Ça fait presque un mois que je ne me suis pas lavée. Et après ça, Néo me donnera à manger. Ici, tout est étrange. On dirait que le temps s'est arrêté. Et que les anciens occupants vont revenir d'une minute à l'autre. Tout est en vrac sur les lits et les étagères. Je m'étonne que cet endroit n'ait pas été déjà pillé. Dire que je suis restée affamée et assoiffée, si proche d'un tel endroit, sans le savoir. Chambre et l'autre cuartier dans la cuisine. Ils vont nous voler toutes les bibles. Faut qu'on se défende. Qu'on se défende? Mais avec quoi? Suis-moi. Ok, faut prendre un truc pour se défendre. Quel genre de truc? Un truc lourd, pointu, qui fait mal. Ça,
pas, par exemple. Ça, ça va? D'ici. Ah, voilà l'égoïste qui garde tout ça pour lui. Partez de là, vous n'avez rien à faire ici. Ah, je vois que ce jeune homme est très bien accompagné. En effet, mon gars, on n'est pas venu pour rien. Hein, ma mignonne? Un pas de plus et je te dégomme la mâchoire. Allez, allez, calmez-vous, c'est pas comme ça qu'on accueille des invités. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez nous suivre sans faire d'histoire. Allez, posez vos armes. Ok, j'ai pas envie que ça se barre en cacahuète. On va les écouter. Allez, suivez-nous. Dans le village voisin, on a réussi à trouver une voiture qui avait encore un peu d'essence. Bon allez, maintenant ferme-la. Alors, qu'est-ce qu'on fait de... La fille, on la garde, le mec, on l'enferme. Ok. Allez, viens, coupé. J'aimerais qu'on aille faire un tour dans cette tente où il y avait toutes ces machines bizarres. Je suis sûr qu'on peut y trouver quelque chose. Qu'elle garde des forces pour ce soir. En plus, elle sent bon le savon. Et fuite, il se remet à pleuvoir. Et ça y est, on est arrivé. Bon, allez, surveillez-la bien. On va aller fouiller un peu ce bordel. Et là, c'est quoi ce truc? C'est mon journal. Ah, c'est un journal intime.
Ça sert à rien. Non! Oh, Bob, reste assis. Ah ouais? Qu'est-ce que vous allez me faire? Me découper un petit morceau? Ouais, peut-être bien. Ok, je me rassois. Mais au moins, laissez-moi aller chercher mon carnet. Une vraie radio, j'en reviens pas. On est vraiment pas venu ici pour rien. Ouais, Kenel, tu sais où on a foutu les piles qu'on a trouvées l'autre jour? Voilà, Kenel, je te parle. Oh purée, la gare s'est échappée. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Comment t'as pu tuer mon pote? Nous, tout ce que vous voulez, c'était juste à manger. C'est à cause de gens comme vous que rien ne va plus sur cette planète. Pardonne-moi tes discours humanistes. Mettez-vous à notre place. Ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé. Une réserve comme ça, ça se partage. Arrête, n'avance plus. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas me faire sinon? La même chose qu'à ton pote. Désolé de te dire ça, poupée. Mais moi, j'ai l'impression que rien n'a changé. Il y a toujours des personnes qui sont plus favorisées que d'autres. Allez, trêve de baba, viens qu'on en finisse. Allez, viens battre. Tire-toi, il ne part pas derrière. Vas-y vite. Est-ce qu'elle part, ta chérie? Viens plutôt de battre avec un homme. Et ça, cette radio, bonhomme? C'est à moi. Ah, espèce d'enflure! Nom de Dieu. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a plus de réserve de nourriture. T'inquiète, l'essentiel, c'est qu'on ait sauvé ça. C'est quoi? C'est une radio. Et je pense qu'on pourra trouver de quoi la faire fonctionner dans la voiture des deux autres. Allez, viens, on se dépêche. D'autres rondeurs peuvent arriver à cause de l'explosion. Allez, dépêche-toi. Oh, c'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce qu'on fait de lui? On va pas le trimballer avec nous? Laisse tomber, on verra ça plus tard. Allez, mets ta ceinture. Depuis 3 jours maintenant, nous roulons vers le sud. On a déposé le cadavre du rôdeur au bord de la route. Il servira plus aux chiens errants qu'à nous.
Bientôt, nous n'aurons plus d'eau ni de nourriture. Et nous arrivons à court d'essence. Mais la radio a capté un signal. Peut-être trouverons-nous d'autres survivants. Nous voici de nouveau sur les routes. Et maintenant, nous savons où nous allons.